Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te souviens de cette planète? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'était là-bas que nous pouvions encore rêver. J'aimerais bien y retourner, ne serait-ce que quelques instants. Je me souviens d'un rêve. Bien loin de la terre ferme. J'étais un spationaute, silencieux et fasciné. Je pouvais voir ces lumières clignoter, projetant en moi leur magie infinie. Je ne maîtrisais rien. Je me laissais porter. Simplement, je naviguais vers l'inconnu. Une certitude, je ne suis pas fait pour rester ici-bas. Je suis fait pour voir plus haut. Au fond, qu'y a-t-il au loin ? Le travail est fait. Ben voilà. Bien plus joli que sur les photos. Bon, Jessie, dépêche-toi. On n'a plus que 2 heures avant que je rende le camion. Oui, oui. Ah, qu'est-ce que c'est lourd. Bon, Jessie, allez. Oh, il est plein à craquer, celui-là.
utiliser un pot percé de 20 à 30 cm de largeur. Déposez au fond du pot un tesson pour bien drainer l'humidité. Le remplir presque en totalité avec un terreau moelleux de bonne qualité, tel que du terreau à plantes vertes. Laissez une petite jauge pour l'arrosage. Ok, il est temps d'essayer cette version. Lundi 9 février. Test 1466 sur des plantes non comestibles. Les feuilles A490 sont mixées avec la solution jaune 13. Résultat négatif, grumeleux. Hein ? Sur le sentier. Ma vieille casquette noire sur mon crâne dégoulinant de sueur. La route est pentue et mes pieds me font mal. Mais la vue est à couper le souffle. Au loin, le décor est changeant, tout le temps. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Je m'émerveille depuis des heures sur la route de Portree. J'y ai croisé, dans cette bourgade, quatre Français qui faisaient un road trip depuis plusieurs jours. On a bu quelques bières écossaises la veille dans un vieux bar de la rue centrale. C'était marrant. Aujourd'hui, je vais faire halte à Dun Vega, de l'autre côté de l'île. Un renard? Non. Jess, je vais nettoyer un peu les couloirs de l'immeuble. Si tu sais pas quoi faire, n'hésite pas à vider tes cartons. Oui, maman. Ah! Bonjour, voyageur. William! Bonsoir. Tu as passé une bonne journée? Ah, c'était pas la pire, mais c'était pas la meilleure non plus. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous le voisin du dernier étage, c'est ça? Eh oui. Et vous, l'emménagement, ça se passe bien? Oui, ça va, ça va. On commence à s'y faire. Et je pris la route sur 4 kilomètres. Loin devant moi, des collines verdâtres et des forêts s'étalant jusqu'à l'horizon. Une senteur particulière, quelque chose d'agréable, toujours surprenant. Sur les bas-côtés, les ronces formaient des palissades végétales, riches en mûres. Je me suis arrêté plusieurs fois pour en manger quelques-unes. Le goût sucré titillait mon palais. Je n'ai croisé personne pendant près d'une heure. C'était comme si j'étais seul au monde. Je n'avais presque... Anne. Papa ? Quand je serai parti, n'oublie pas de fermer
l'appartement à clé. Bien sûr. L'appartement sera fermé à clé. Je suis loin. Je marche. Papa. C'est parti. Bah voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Jessie. Je sais. Moi, c'est Alan. Je sais. Alors, comme ça, tu as replanté mes bégonias? Tu as deviné que c'était moi? C'était évident. Pourquoi d'ailleurs? Je connais pas très bien les plantes, mais l'apport de la lumière pour les corps naturels, je connais. Et le cycle solaire en période printanière, aussi. Le jardin est bien placé, orienté sud-ouest. Je n'y avais pas pensé. Je vois que tu t'occupes bien ici. Pourquoi vous êtes venu habiter ici? C'est ma maman, elle cherchait un travail. Ici, on lui offrait un logement plus un travail. Elle nettoiera et s'occupera de l'immeuble. Tu habites au second étage, c'est ça? Oui, avec mon père. Tu sais s'il y a quelqu'un au premier? C'est toi. J'y travaille parfois. C'est top secret, hein? Et tu ne vas pas à l'école non plus? Ah, toi non plus? Pas depuis 2 ans. J'ai pas envie d'en parler. Tu vis depuis longtemps ici? Trop longtemps. Mais j'ai mes habitudes. Je m'occupe du jardin. Je te montrerai si tu souhaites. Il y a quelques recoins que j'aime bien.
Qu'est-ce qui se passe ? Pauvre homme. Thank you.